Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Marignane, au stade Saint-Exupéry de Marignane-Gignac pour ce match avancé de cette journée du meilleur championnat du monde où le MGFC affronte l'Olympique Lyonnais, la réserve de l'Olympique Lyonnais se déplace ici à Marignane et comme vous le voyez sur les images de Sylvain Poncet, il pleut des cordes ici dans la région, dans les Bouches-du-Rhône, dans la région marseillaise. Et voilà, comme on vous le dit, toute l'équipe Chronos est ici à Marignane avec vous. Idriss Casmi, bien évidemment, en commentaire. Sylvain Poncet derrière la caméra. Et un invité, un ami de la maison aujourd'hui qui est venu, qui s'ennuyait à côté de nous. Et du coup, on lui a donné un micro. Eric Stella est avec nous. Comment ça va, Eric? Salut à tous, ça va très bien, merci. Et bien, Eric, un match avancé. Marignane, on sait que depuis la saison nationale, aime bien jouer le vendredi avant tout le monde. Et eh bien visiblement ils ont bien choisi leur jour. Ils ont bien choisi leur jour, après bon c'est les aléas de la météo et puis c'est surtout, hein, on en discutait avant le match, c'est vrai que c'est aussi, ça rappelle des souvenirs puisqu'il y a un an, la réserve lyonnaise du côté de Lyon était repartie au bout de 20 minutes pour les mêmes causes. Donc on espère vraiment qu'on ne va pas revivre la même chose. Pour l'instant la pelouse a l'air en assez bon état, donc on espère assister à un très bon match. Ouais, je me suis amusé un peu à aller la voir en arrivant au stade, la pelouse. Elle est en très bon état, mais pour le coup, on va voir, parce que c'est en train de tomber encore. Donc on va voir comment ça va se profiler. On espère aussi que le match ne sera pas reporté, parce qu'on espère ne pas être venu pour rien, tout simplement. Tout simplement, oui, voilà, qu'on ait du spectacle. Voilà, pour l'instant, la pelouse est en très très bon état, mais on sait qu'avec les épisodes méditerranéens, ça peut aller très très vite, et surtout qu'il est annoncé depuis 19h, et que si ça continue à tomber comme ça, à un moment donné, il faudra peut-être se poser compliqué. La question. Allez, on va jeter un œil au programme de la journée, Eric, avec votre FC, très cher FC Martigues qui se déplacera à Nîmes demain à 18h. Andoum recevra Mondor Azerg, l'AS Monaco recevra Fréjus Saint-Raphaël, la réserve de l'OM recevra Louhans-Cuiseau, ce sera normalement, si la pluie le permet, sur les antennes de Chronos à 17h50. Le match entre Hyères et Saint-Priest, vous le voyez déjà, est déjà reporté. Annecy reçoit Grasse dans la grosse affiche de la journée demain à 18h entre le 2e et le 3e. Et Jura Sud recevra Moulin-Isère. Bien, on parlait d'Annecy Grasse. Eric, un coup d'œil sur le classement avec, comme on le voit, un match entre le 8e et le 10e, Marignane et Lyon, la réserve de Lyon, qui n'a gagné que 2 matchs sur 5 sur les 5 derniers. Et au contraire, Marignane, qui a perdu la dernière rencontre, mais qui retrouve le chemin de la victoire petit à petit. Oui, et puis surtout une équipe de Lyon qui n'a pris qu'un seul point sur ses 6 sorties. Hein. Donc c'est une équipe qui a besoin de venir prendre des points. Et ce sont deux équipes qui se tiennent justement en un point et qui ont la possibilité aujourd'hui en l'emportant de s'éloigner déjà de la zone rouge et puis de venir taper un petit peu à la porte parce que par exemple Marignane n'est qu'à 4 points du top 5 et à 4 points de la zone de relégation, donc d'où l'importance aujourd'hui de faire un gros match. Ça y est, c'est la 12e journée, on rentre dans les journées charnières là où vraiment les wagons se dégagent et on voit tout de suite les équipes qui jouent la montée et les équipes qui vont devoir se battre jusqu'à la dernière journée pour rester dans le meilleur championnat du monde. Allez, on va revenir sur le terrain, ou du moins ce qui devrait ressembler à un terrain, avec les images bien évidemment de Sylvain Poncet. Vous le voyez, la pluie tombe, c'est même plus un crachin à ce niveau-là. Non, là, ça y est, ça commence vraiment juste au coup d'envoi. Et voilà, ça fait exactement hein, comme l'année dernière, nous y étions. Ça avait commencé au coup d'envoi et au bout de 20 minutes, c'était tombé à l'eau. Bon, pour l'instant, c'est pas aussi fort que ce qu'on avait pu connaître. Mais c'est vrai que bon, si ça s'intensifie avec ces épisodes à chaque fois en automne méditerranéen, il va falloir un petit peu surveiller ça et surtout voir dès les premiers appuis un petit peu le comportement de la pelouse. Allez, les deux équipes rentrent sur la pelouse. Bien évidemment, Marignane en bleu, Lyon en blanc, avec un petit changement au niveau des compositions d'équipe. Eric, on va en parler tout de suite parce que bon, l'accueil est pas non plus terrible, donc on a un peu de calme pour parler des deux 11 de départ. Eric, avec l'Olympique Lyonnais, un petit changement de dernière minute. Rachopi, qui était annoncé titulaire, ne sera finalement même pas sur la feuille de match puisqu'il y a eu un petit changement au niveau des professionnels et le jeune Rachopi, donc le troisième gardien, le Suisse, a été appelé avec le groupe de Rudy Garcia. C'est donc le grand Barcola, vous voyez juste derrière Kaloulou, qui sera dans les buts. Ouais. On aura un 4-3-3 donc avec Kaloulou à droite. On aura Mdiba sur le côté gauche de la défense à 4, Barre et Diomandé en défense centrale. Ponte sera en tête de la défense accompagné de Thomas et d'Agorao. Fontaine, Wissa et Tebili formeront le trio d'attaque. Du côté marignanais, on aura Jordan Gilles dans les buts,
Châtelain, l'ancien Andoumois à gauche, Cassado à droite, une défense centrale composée de Bamba et Nlaté, c'est la même que face à Louan-Cuiseau. Baconnier sera derrière au niveau du milieu de terrain, comme depuis le début de saison, accompagné de Trento et de Terreo, l'ancien. Et puis un trio d'attaque avec Baud, Yové et Swally, qui fait sa première dans le 11 de départ cette saison. Allez, la pluie est en train de retomber, de doubler d'intensité. Et on va bien s'amuser. Pour l'instant, on est à l'abri. Si le vent avait la mauvaise idée de tourner, pense qu'on est quitte pour remballer les gaules. Pour l'instant, on est tranquille. Et les jeunes du MGFC qui sont partis courir se mettre à l'abri. Oh ouais, ils ont attendu que les deux équipes entrent sur la pelouse. Ouh là là, allez. On va prendre les paris, si ça continue comme ça. Je dis que ça tiendra pas la mi-temps. Sylvain, ton avis ? Vu la moue qu'il fait, allez, un quart d'heure, Eric. Si ça reste comme ça, ça va pas au bout. Ça va même pas démarrer, allez. Si, démarrer, je pense que oui. Allez, vous le voyez à l'écran, les Marignan et Gignac, quoi, qui sont en cercle devant le rang central. Alors que les ultras de l'Olympique de Marseille avaient annoncé leur venue toute la semaine, visiblement la pluie les a un peu refroidis. Ouh là là, fou. Allez, soyez avec nous, je pense que ce match peut être dans l'histoire de Chronos le plus rapide. La diffusion la plus rapide de l'histoire. 23 minutes à battre, hein, la saison dernière. Ouh, je pense que je vais me ranger avec Sylvain. Moi, j'ai dit la mi-temps. Je pense que si ça tient le quart d'heure, ça sera déjà pas mal. Vous voyez, l'arbitre est déjà mouillé. Nous aussi, on commence. Moi, je vais commencer un peu à plier l'ordinateur pour pas qu'il prenne l'eau. On passe un grand moment. Allez, le coup d'envoi va être donné en tout cas dans quelques secondes. Et puis surtout, on vient de voir aussi le premier éclair, hein, dans le ciel. Allez, c'est parti. Ça sera surveillé aussi. Hein. Premier ballon pour le MGFC. Il y a des gens qui commencent déjà à se replacer dans la tribune. Voilà, vous les voyez, on ne peut pas non plus les faire disparaître. Et premier ballon avec Tébili. C'est assez particulier là, ce qui est en train de se passer. Avec Terreo au milieu de terrain. Baconnier. Pour l'instant, le ballon roule plutôt pas mal. Ouais, mais on a déjà vu sur le milieu de terrain, sur cette première passe de Terreo. Ouais, qu'il va, ben falloir, on voit... il va falloir forcer sur les quadras. Ouais, mais on voit que ça commence déjà à avoir des petites apparitions, hein, de petites flaques. Donc il va falloir vraiment surveiller ça si ça continue ainsi. Hein. Oulala, le toit de la tribune de Saint-Exupéry est assez grand et pourtant il n'arrive pas à couvrir tout le monde. Ah, vous comprenez bien que pour des raisons aussi matérielles, si la pluie commence à envahir la tribune, nous aussi on va devoir remballer. Non, et puis surtout, ce qui est important de préciser, c'est que si la décision est prise d'arrêter, après il va falloir encore attendre. Hein. Il va falloir, oui. Va falloir. Donc on est là pour un moment. Voilà. Allez, voilà, la pluie est en train de venir dans les bureaux. Ouh là là. Elle où ma veste ? Les conditions dantesques qui commencent sur la pelouse de Saint-Ex. On essaye un peu de sauver le matériel là parce que ça commence à venir au goutte à goutte. Alors, il faut décaler. Allez, le long ballon de Kaloulou. On va essayer quand même de commenter l'action, Eric. C'est sorti. Voilà, au moins, voilà, c'est sorti. On va voir combien de temps il va durer. Après, il y a des conditions à connaître aussi. C'est que l'arbitre, je le blâme pas. Je lui donne. Mais s'il tient à être payé aujourd'hui, il a intérêt à ce que le match commence. Voilà. Après, est-ce que. Vous voulez faire une allusion. Je doute pas de sa bonne foi. Vous voulez faire une allusion aux mêmes conditions la saison dernière face à Chambly, où on avait assisté au match le plus rapide de l'histoire. 40 secondes. Donc voilà, si lui aussi voulait pas venir faire le voyage pour rien, il avait intérêt à ce que le match commence. Et le match a commencé. Attention à ce qu'il dure pas trop longtemps. Et Wissa qui part vers l'avant. Et là, on commence. On commence vraiment à voir, hein, sur la pelouse qui commence à avoir des petites flaques qui commencent à faire leur apparition. Ouais, je pense qu'elles vont pas rester petites très longtemps. Vous
Vous n'êtes pas sur une rencontre de waterpolo. Thério qui s'autorise une petite glissade. Ah, il s'est fait plaisir sur ce coup, Thério. Baud, le ballon revient dans les pieds lyonnais. Ah, le ballon commence déjà à plus avancer, on le voit là. Déjà là, ça va devenir compliqué. Là, je pense qu'on ne tiendra pas. Et je pense que c'est Sylvain Poncet qui va remporter le pari. Il avait dit un quart d'heure. Faute de Baconnier. Alors lui en plus qui aime bien les tacles, là il est à Disneyland là aujourd'hui, Kevin Baconnier. Ouais, regardez là, les Lyonnais commencent à dire, commencent à montrer leur mécontentement, les joueurs lyonnais là. Ouais, on appelle le capitaine. On appelle Kaloulou, Thério est à côté. Ouais, visiblement le match va être arrêté. Bon, au même moment où la pluie baisse un petit peu d'intensité. Bon, là, je pense qu'elle a déjà fait pas mal de dégâts là. Je pense qu'on le voit même nous. Vous le voyez à l'écran. Si les spectateurs mais à l'écran, on le voit voilà sur les images de Sylvain. Allez, on remballe. Le match aura duré 4 minutes, 3 minutes 59 exactement. On demande la vidéo de capitaine. Alors on n'a pas de micro qui va jusque pour savoir. Non, visiblement on va continuer à jouer. Allez. Ah ben on repart. Et la pluie qui repart et aussi. Ça repart aussi. Je pense qu'on est sur le. On peut faire un petit sketch. La pluie attendait de savoir. Elle avait envie de savoir elle aussi. Elle était pendue aux lèvres de monsieur l'arbitre. Allez, quitte à la non. Ou alors attention, là il a mal glissé. Ouais, mais on le voit, de toute façon c'est dangereux, hein, ça tiendra pas longtemps. On l'a vu Idriss, hein, c'est déjà sur le tacle de Gaëtan Thério tout à l'heure, il a failli dire bonjour au grillage, là c'est ce qui vient d'arriver à l'attaquant lyonnais. Décidément les Lyonnais sont pas vernis quand ils viennent dans les Bouches-du-Rhône, du moins à la réserve. En tout cas vous êtes déjà très nombreux à nous suivre sur les réseaux, visiblement vous avez envie d'assister au sketch. Alors l'arbitre qui va aller voir le délégué, notre ami on peut le citer, hein, Jackie Ballon le délégué. Le célèbre Jackie Ballon. Jackie Ballon, pour ceux qui traînent autour des terrains amateurs des Bouches-du-Rhône, impossible à manquer. Le grand Jackie Ballon qui est allé voir les deux coachs. Et non pas Patrice Héroux aujourd'hui sur le banc qui est suspendu. Oui, qui est pas loin de nous dans la tribune. Je pense que lui aussi il doit bien s'amuser. Allez, match arrêté. Voilà. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à tous. 5 minutes 21. Je vais arrêter le chrono pour bien que ça soit noté. Voilà. Allez. Match arrêté ici à Marignane. Et Idriss, visiblement, tout le monde se serre la main, ça repartira pas du tout. On va laisser tomber, pardon. Merci Eric d'avoir été avec nous pendant ces 6 minutes. Merci, c'était le match le plus rapide de mon histoire. Je pense que moi aussi. Je reviendrai, je suis bien avec content plaisir. D'avoir fait le déplacement. Allez, merci d'avoir été. On va faire le calcul. Je vous ferai cadeau de la solde. Mine de rien, près d'une centaine d'avoir été avec nous, près d'une centaine pour ces 6 minutes de meilleur championnat du monde pour aujourd'hui. On espère pouvoir vous proposer le match demain entre l'OM et Louan Cuisant en direct de l'OM Campus. Je vous cache pas qu'on sera dans les parages avant le match. Si la pluie tombe, vous recevrez un petit message qui vous dira que la retransmission sera annulée. Même si le match joue, on peut pas risquer de perdre tout notre matériel à cause de la pluie. Allez, bon, mais de toute façon, on va pas rater grand chose. À demain, on l'espère, et à très bientôt dans le meilleur championnat du monde. Au revoir.